Stop. Salut à vous. J-7 avant le 1er mai, à l'heure où j'enregistre la vidéo. J'aimerais faire un appel général. Pas n'importe lequel, mais bien entendu, pour n'importe qui d'entre vous. Vous voyez, le 1er mai, son thème généralisé comme tous les ans, c'est la Journée internationale du droit au travail. En France, en Europe, ainsi que dans tous les continents et pays de ce monde. Mais là où je veux en venir, c'est que je voudrais appeler en particulier à soutenir les professionnels qui sont soit tués, soit torturés, soit pillés, soit kidnappés, soit détruits. Et je parle alors des professionnels de Palestine, notamment à Gaza et en Cisjordanie, qui sont encore une fois opprimés, qui font un acharnement sur leur travail monstre et respectable. Beaucoup se tuent au travail pour en sauver d'autres. Je parle notamment des pompiers, des soignants, des ambulanciers de Gaza et de Cisjordanie. Je parle aussi des boulots des journalistes indépendants ou non indépendants, que ce soit mainstream ou télévisé ou peu importe. Je parle aussi des commerçants qui sont aussi pillés, qui sont torturés, qui sont détruits par les bombes, et j'en passe. En gros, j'appelle à soutenir les professionnels en souffrance de ce monde, et pas que en Palestine ou en Cisjordanie ou à Gaza, mais aussi partout dans le monde. Tous les professionnels opprimés, bien entendu aussi par leurs patrons, mais surtout par les gouvernants. Les gouvernants, c'est eux le coupable de la misère sociale dans le monde, professionnellement parlant. Donc le 1er mai, je voudrais non pas seulement que vous souteniez les professionnels de France ou de l'Europe, mais aussi que vous souteniez les professionnels du monde, mais surtout des professionnels opprimés de ce monde et qui s'acharnent à leur taf, parfois pour en sauver d'autres vies bien entendu. Et voilà où je veux en venir. Partager cet appel, je l'appelle donc aux pro-palestiniens, ainsi que tous les autres pro-peuples opprimés de d'autres pays de ce monde, à venir massivement à Paris ce 1er mai, qui est à l'heure actuelle J-7. Nous sommes le mercredi 24 avril de cette année 2024. Et je pense que vous le verrez certainement à une autre date, peut-être ce soir, peut-être le lendemain, le jeudi 25 ou vendredi 26. Même peut-être après, mais au moins vous entendez cet appel auquel je vous demande de faire tourner, faire connaître, faire circuler, faire diffuser et de partager absolument partout maintenant. Et sur ce, moi je vous dis physiquement à mercredi 1er mai à Paris.